Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que votre mois d'octobre qui s'entame très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, mes chers amis, avant de commencer le tirage, je tiens à vous préciser que c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par le tirage. Et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors, je vous suggère fortement de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour aller trouver un complément d'information. Comme à mon habitude également, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée ici hein, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une ou l'autre des situations qui sont décrites ici ne vous plaît pas, vous pouvez changer le courant des choses à n'importe quel moment dans votre vie. Voilà, donc de reprendre le pouvoir hein, sur votre vie, rien n'est coulé dans le béton. Alors, je vais commencer avec le tirage pour les balances qui sont en couple et par la suite, je vais poursuivre avec les balances célibataires. Donc, pour vous, mes chers amis qui sont en couple, on commence avec les messages des anges de l'amour et la première carte qui est ressortie, c'est la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ensuite, on a la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. On va essayer d'éclaircir un peu plus. Et on a la carte séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, essayons d'aller voir un peu ce qui se passe ici. Vous êtes en couple, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être en union de fait, vous êtes, peu importe, votre situation, hein? Vous êtes en couple et vous avez vraiment des sentiments profonds pour la personne, pour votre partenaire actuel et c'est probablement réciproque hein? Parce qu'on vous dit vos sentiments sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus. Par contre ici, ce que je vois dans les cartes, je vois que, premièrement que vous avez un très bon rapport ensemble. Hein. Vous avez un partenaire ou une partenaire assez fiable. Hein. On a le roi de deniers ici, quelqu'un qui travaille très fort, non seulement sur la relation, mais aussi au niveau du travail hein, pour apporter, pour être capable de pourvoir à vos besoins mutuels. Il y a un certain confort, une certaine stabilité. Hein. On voit vraiment une belle connexion avec le 2 de coupe ici, une belle connexion au niveau des sentiments, au niveau intellectuel peut-être aussi. Mais en tout cas, on voit que au niveau de l'amour et de l'attrait, tout va bien, d'accord? Mais ce qui vient un peu déranger ici, c'est qu'on voit avec le valet d'épée et le chevalier d'épée, qu'il y a certaines choses qui ont été dites, qui ont été révélées peut-être, hein, et ça a créé une certaine confrontation dans votre couple. Vous vous êtes confrontés l'un et l'autre par rapport à un sujet qui a pu peut-être venir déstabiliser un peu hein, cette belle entente ici. Cette harmonie que vous aviez auparavant, cette vérité ou bien cette chose qui a été révélée, c'est vraiment, on voit vraiment avec le chevalier d'épée hein, que probablement vous ou votre conjoint ou conjointe n'a pas été enchanté de ce qui a été révélé. Hein. Adaptez le tirage, ce que je suis en train de vous dire, à votre situation personnelle, parce que c'est certain que je ne peux pas mettre le doigt exactement sur ce qui a été révélé. C'est chacun de vous qui savez ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors,
Donc, il y a eu hein, des confrontations assez véhémentes, si je peux dire, des paroles assez acérées, des choses qui ont été difficiles peut-être à digérer pour l'un et pour l'autre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a été déstabilisé ici dans l'harmonie du couple, d'accord, à cause de quelque chose en particulier. Si on regarde un petit peu plus loin, alors avec la carte facteur religieux, bon, je dirais que pour certains, il s'agit de facteurs religieux, hein, c'est possible que vous adhériez à une certaine religion, peut-être que votre conjoint n'est pas dans la même religion que vous ou bien n'adhère pas aux principes que vous avez. Mais pour certains autres, ce sera par rapport à vos valeurs profondes, ce qui vous a été inculqué dans votre jeunesse, dans votre enfance et toute votre vie, hein. Donc des valeurs profondes que vous avez et que vous transportez avec vous. Donc, alors pour certains facteurs religieux, pour certains des valeurs profondes. Donc ici, on a le diable qui apparaît. Le diable, hein, c'est un personnage qui vous envoûte, c'est un personnage qui vous manipule parfois. Le diable vient nous dire aussi qu'on est lié ou qu'on est attaché à quelque chose. Ça nous parle des expériences aussi que l'on vit, mais ça parle également du fait de se sentir prisonnier de quelque chose, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être sentir que vous vous sentez prisonnier dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas nécessairement respecté ou vous sentez que votre conjoint ou conjointe ne respecte pas vos valeurs profondes. Parce qu'ici, avec le roi de denier, si c'est l'énergie négative du roi de denier qui prédomine pour vous, bien, vous sentez en fait que c'est comme si votre conjoint ou votre conjointe ne vous prend pas nécessairement au sérieux dans vos valeurs, ne prend pas vos valeurs au sérieux. D'accord? Il ou elle n'accorde pas autant de valeur que vous, justement, à ces valeurs-là. OK? Alors, vous ne vous sentez pas respecté dans vos valeurs profondes. C'est possible aussi que le diable vienne vous dire que vous vous sentez prisonnier de vos propres valeurs aussi. Elles sont tellement profondes, elles ont tellement été inculquées depuis l'enfance que peut-être que vous vous sentez vous-même prisonnier de ces valeurs-là. D'accord? Mais peu importe, hein, on voit que ça vous fait souffrir, vous et votre conjoint ou conjointe, hein. Il y a une douleur ici, il y a quelque chose qui vous fait très mal par rapport à ces valeurs-là ou à ces facteurs religieux. D'ailleurs, ici, on sent que vous vous sentez probablement abandonné de votre conjoint, hein, parce que, ou conjointe, parce que celui-ci ou celle-ci banalise un peu, en fait, vos valeurs ou bien vos croyances profondes. D'accord? Alors, c'est comme si vous sentez que votre partenaire vous abandonne, ne prend plus soin de vous ou de ce qui est important pour vous. D'accord? Alors, ça vous fait souffrir et ça fait souffrir la relation, ça fait souffrir le couple. Vous avez l'impression probablement de toujours être en train de défendre quelque chose, hein, de toujours avoir à défendre, de toujours être à l'affût, de toujours être sur vos gardes, hein. Vous avez le 7 de bâton ici. Alors, comme si vous êtes toujours en train de défendre quelque chose ou bien que vous devez toujours être sur vos gardes par rapport à quand ce facteur religieux ou ces valeurs-là sont touchées, d'accord? Alors, comme je vous dis, hein, adaptez le tirage à votre situation personnelle.
Ensuite, on passe aussi avec la carte séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui peut arriver pour certains d'entre vous. On a le 8 de coupe. 8 de coupe, hein, c'est abandonner ou tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus. D'accord? On a le 6 de coupe également. Le 6 de coupe, ça nous parle de laisser le passé derrière, hein? De le fait de rester accroché au passé. Et ici, peut-être qu'on vient vous dire de de laisser le passé derrière. Donc, peut-être de laisser la relation pour un certain temps. On voit ici que certains d'entre vous, avec le 9 de denier, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, hein? Et on complète avec le 4 d'épée. Alors, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, de peut-être de réfléchir, de prendre un certain moment de recul pour vous rétablir premièrement de cette situation qui vous a autant blessé, mais aussi peut-être de reconnecter avec vous-même, hein, pour vous rétablir, mais aussi prendre du recul sur ce qui s'est passé. Quand je vous parle ici d'abandonner une situation qui ne vous convient plus avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, bien oui, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être abandonner la relation, vous allez peut-être quitter votre partenaire, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec le diable qui apparaît, c'est peut-être aussi le fait de vous sentir prisonnier de vos propres valeurs. Alors ici, ce qu'on vient vous dire pour certains d'entre vous, c'est probablement que vous allez abandonner certaines croyances pour lesquelles vous allez, sur lesquelles vous allez réfléchir, hein, le temps que vous allez prendre ici seul avec vous-même, vous allez réfléchir à vos croyances, vous allez réfléchir à vos valeurs et vous allez peut-être rectifier certaines croyances et certaines valeurs que vous avez. Vous allez peut-être voir les choses différemment et vous allez peut-être vous détacher du passé, des choses qu'on vous a inculquées, pour lesquelles vous n'avez jamais eu le temps ou vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir sur ces choses-là. D'accord? Alors aujourd'hui que vous êtes maintenant adulte, vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux croyances, aux valeurs qu'on vous a inculquées et de voir si vraiment ça concorde avec la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient à vous maintenant? Donc, c'est possible que pour certains, vous allez abandonner ce genre, ces croyances-là, cette façon de voir les choses, les croyances, les valeurs inculquées. D'accord? Vous allez les laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre chemin. Mais pour arriver à faire ça, vous devez vraiment prendre le temps de vous intérioriser, prendre le temps premièrement de guérir de ce qui s'est passé avec votre conjoint ou conjointe et de prendre un recul sur les valeurs qu'on vous a inculquées. D'accord? C'est peut-être certains se sépareront pour toujours, mais certains vont se séparer simplement pour un certain temps. D'accord? Alors, dépendamment de la gravité, en fait, de l'abandon ici, ou de la gravité des mots qui auront été dits, ou le fait de ne pas vous sentir respecté aussi complètement dans vos valeurs, hein, tout ça va dépendre, tout ça va peser dans la balance et va faire en sorte que vous allez prendre une décision plutôt qu'une autre. Voilà. Alors, puis j'ai des cartes aussi, une carte avec l'oracle lumière pour éclaircir un peu le tirage. Et il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte envoûtement. Alors, voilà, ici, ça peut vouloir dire deux choses. Soit que votre conjoint ou conjointe, votre partenaire actuel, vous envoûte, vous empêche, en fait, comment je pourrais dire, ne respecte pas vos valeurs, hein, et essaie de vous détourner en fait de vos propres valeurs.
Parce que certaines personnes ont la capacité, en fait, hein, de vous détourner, de vous faire croire des choses, de vous désillusionner, hein, un peu comme le diable ici, hein, qui vous donne des illusions ou qui vous manipule. Alors peut-être que votre partenaire, pour certains, est dans la manipulation avec vous, mais peut-être aussi que l'envoûtement vient du fait que vous avez été depuis des années, depuis votre enfance, envoûté par certaines croyances pour lesquelles vous avez envie de vous détacher, mais vous n'osez pas le faire, hein, peu importe vos raisons, mais vous avez du mal à vous détacher de ces anciennes croyances et vous vous sentez prisonnier de ces croyances-là. D'accord? Mais il y a un certain envoûtement d'une façon ou d'une autre dans votre situation. Et la deuxième carte qui est apparue dans ce tirage, bien, ça concorde avec les cartes qui sont ici, hein, quand on vous dit d'abandonner une situation qui ne vous convient plus, de laisser le passé derrière, bien, on vient ici vous dire balayage du passé. Et encore une fois, c'est la même chose. Pour certains, ça sera de vous séparer complètement de votre conjoint ou conjointe, hein, surtout si vous ne vous sentez pas du tout respecté. Alors, ça vous amène à passer à autre chose, mais ça peut aussi vouloir dire de balayer le passé ou bien les anciennes croyances, qu'on vous a inculquées, des choses qui ne vous appartiennent pas réellement, pour lesquelles vous n'avez pas réellement comment je pourrais dire, que vous n'avez pas. C'est comme si ces croyances-là ne vous appartiennent pas réellement. On vous les a inculquées, mais vous vous rendez compte maintenant que vous êtes adulte que ça ne vous convient pas nécessairement, ces croyances-là, d'accord, ou ces valeurs-là. Alors ici, on vient vous dire de faire du ménage, en fait, dans vos croyances, parce que vous savez, on a chacun des croyances, des traditions, mais parfois, certaines traditions, certaines croyances ne nous conviennent pas réellement. Alors ici, on vient vous dire de faire du ménage dans votre tête, dans votre cœur, des choses qu'on vous a inculquées, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Alors voilà pour vous, mes chères balances qui sont en couple. Alors malheureusement, hein, parfois quand on n'est pas d'accord nécessairement sur la façon de voir les choses, sur les valeurs que chacun a, ça peut venir miner une belle relation parce qu'on voit ici que vous avez une belle connexion, mes chères balances, avec votre partenaire. Donc, à un moment donné, il peut arriver que il y a des confrontations. Je vous dirais, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps que vous avez besoin, si vous avez besoin d'un temps de recul, séparé de votre partenaire pour mieux réfléchir, faites-le si c'est ce que ça prend pour revenir avec de meilleures dispositions. L'autre aussi, votre conjoint probablement ou conjointe sera dans de meilleures dispositions après un certain temps de séparation. Mais peu importe, hein, ce que vous décidez, faites toujours ce qui est bon pour vous, en fait. D'accord? L'important, c'est que éventuellement, même après discussion, que vous vous sentiez respecté dans vos valeurs, dans vos choix, dans vos croyances. Alors voilà pour vous, mes chères balances qui sont en couple. Je vais retirer les cartes de la table pour faire le tirage des célibataires. Alors, j'ai déjà pigé les cartes des célibataires, hein, pour que la vidéo soit moins longue. Donc, qu'est-ce que les cartes viennent nous dire pour vous, mes chers célibataires? Les balances célibataires. OK, wow, quand même, hein, ça commence bien pour vous. OK, des belles cartes. Wow. OK, d'accord, je comprends ici. Parfait. L'oracle lumière a voulu nous donner a voulu nous donner plusieurs messages ici pour vous, les célibataires.
Alors, on va y arriver très bientôt. Donc, pour vous, mes chers célibataires, on commence d'abord avec la carte de la confiance. Les anges de l'amour qui vous donnent ces messages. Alors, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ensuite, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte hein? ». Alors, confiance et « Vous pouvez aimer sans crainte » vont vraiment de pair. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Superbe. Et vous avez la carte « Pardonner et apprendre ». Alors, très belle carte également. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et votre tirage est assez clair, mes chers balances célibataires. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous ne serez pas célibataire très longtemps. J'ai l'impression même que vous avez déjà quelqu'un en vue ou bien quelqu'un vous a dans sa ligne de mire, hein, dans sa mire plutôt. Alors, ici, on vous demande de faire confiance. Alors, probablement que si vous êtes, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous sentez que quelqu'un vous apprécie et voudrait passer à une autre étape avec vous au niveau amoureux, bien, on vous demande de faire confiance ici parce que on voit que cette personne-là a de réels sentiments pour vous. Hein. Ce sont des sentiments sincères. Cette personne-là a beaucoup, probablement beaucoup de charme, très séduisant, très séduisante. Mais en plus de ça, il y a un amour sincère. Voyez-vous, c'est un chevalier de coupe, d'accord? Alors, la coupe, c'est l'amour, c'est les sentiments sincères, c'est les émotions réelles. Beaucoup de fiabilité, hein, cette personne-là. Mais en plus, ce qui vient rajouter à la fiabilité, c'est la reine de deniers. Hein, la reine de deniers ici, qui se présente avec la carte confiance. Alors, ça vient vous dire ici, vous pouvez avoir confiance en cette personne qui s'en vient dans votre vie ou qui est déjà là dans votre vie. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui s'occupe de faire en sorte hein, que tout fonctionne bien, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, qui va vous apporter beaucoup de stabilité aussi dans votre vie, que ce soit financier, que ce soit matériel, le confort matériel, ou bien toutes les ressources disponibles pour faire en sorte que vous soyez, vous vous sentiez bien, en fait, ici. Alors, beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour en plus de ça, hein? Pas seulement le confort matériel ou financier, mais aussi beaucoup d'amour dans cette relation. Donc, de faire confiance à cette personne à laquelle vous pensez. Ensuite, on vous dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Alors, c'est un très beau tirage pour vous. Vous avez, my God, le fait de parler anglais, mais c'est que vous avez le soleil et vous avez l'étoile. Magnifique carte, toutes les deux. Alors, le soleil, hein, ça vous parle de réussite, ça vous parle d'épanouissement. Ça vous parle de chaleur, ça vous parle de santé aussi, d'harmonie et d'accomplissement hein, de soi. Alors, la personne qui s'en vient dans votre vie, vous pouvez avoir confiance que cette personne va vous aider à vous épanouir, mais va vous laisser aussi vous épanouir à votre façon. D'accord? On voit ici hein, un partenariat. Alors, c'est quelqu'un qui va travailler avec vous plutôt que contre vous, qui ne vous empêchera pas d'être qui vous êtes, avec qui vous allez vous sentir bien et épanoui et dans une relation saine. Alors, c'est un très beau, une très belle carte, un très beau tirage ici. Vous avez la carte de l'étoile aussi. Alors, la carte de l'étoile nous parle de plusieurs choses. Hein. Ça nous parle du fait que vous allez être protégé dans cette relation-là. Ça nous parle que probablement, la personne qui est dans votre entourage, hein, c'est probablement quelqu'un avec qui vous allez tisser d'abord des liens réels d'amitié. Vous savez, ces couples où les deux partenaires sont avant tout des amis, c'est un peu ce que vous allez vivre avec cette personne parce que cette personne n'aura pas nécessairement envie
Hein, le chevalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui a envie d'aller à la guerre, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous confronter, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans, de vivre dans l'harmonie avec vous, et vous allez être protégé dans ce sens-là. Et en plus, qui veut être ami d'abord et avant tout avec vous. Alors, c'est vraiment une carte qui nous parle d'amicalité. C'est une carte qui nous parle de légèreté aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider probablement à réaliser vos rêves aussi, hein, l'accomplissement de soi avec le soleil. Alors, qui va vraiment vous soutenir dans vos projets, dans la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, et qui va vous aider à aller chercher justement votre étoile. D'accord? Alors, c'est une très belle carte, un très beau tirage pour vous ici. Ensuite, la dernière carte qui s'est présentée, c'est la carte pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre quoi? Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous laisser aller à cette relation qui se présente devant vous. Vous voyez que la personne a de l'intérêt pour vous. Vous avez probablement de l'intérêt pour l'autre personne aussi, mais vous avez du mal à vous laisser aller. Pourquoi? Parce que probablement que vous avez souffert beaucoup par le passé dans vos relations passées. Vous avez eu du mal à pardonner. Vous avez probablement encore du mal à pardonner certaines choses. Et la carte vous dit d'apprendre plutôt que de rester dans de rester aigri face aux anciennes relations. Apprenez de ces anciennes relations. Utilisez-les comme des leviers pour vous. Pour vous élever, pour apprendre davantage dans les futures relations, d'accord? Alors avec le pendu, d'abord pardonner et apprendre, hein, c'est très important de pardonner à vos anciennes relations pour pouvoir continuer votre vie. Alors, un processus très important. Et avec la carte du pendu, on vous dit de lâcher prise justement sur ces anciennes relations qui ne vous ont pas servi, qui ne vous ont pas fait du bien. Lâchez prise sur ces relations, laissez aller, laissez-les partir et remerciez ces anciennes relations de vous avoir d'avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire une personne plus forte, une personne qui est capable de comprendre certaines choses, hein, de voir même arriver d'avance certaines choses et de pouvoir. Comment je pourrais dire, appréhender déjà certaines choses, d'accord? Alors, ce qui est important, c'est oui de pardonner, alors donc de lâcher prise avec le pendu, mais aussi d'apprendre grâce à ces anciennes relations. Et c'est exactement ce qu'on vient nous dire ici avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui se concentre sur un travail en particulier. Donc, le processus de guérison ici dans ce tirage, le fait de pardonner. Et le fait aussi de travailler maintenant à faire en sorte que vos relations, votre relation qui s'en vient ou qui est déjà présentement presque entamée pour vous les célibataires, bien, c'est de travailler d'arrache-pied à faire en sorte que cette belle relation-là fonctionne. Si vous êtes dans l'apprentissage encore ici avec le 8 de denier. D'accord? Donc, utilisez les anciennes relations, ce que vous avez appris de vos anciennes relations, justement, pour apprendre davantage ici et de travailler avec les leçons que vous avez reçues de vos anciennes relations. Et donc, pour terminer, j'ai pigé des cartes de l'oracle Lumière pour essayer d'éclaircir un peu ce tirage. Et vous avez trois cartes qui ont carrément voltigé du jeu. Et la première carte, c'est la carte beauté et luxe. Alors, c'est ce qu'on vient vous dire ici, hein. Ayez confiance. Vous allez vous retrouver probablement dans une relation où vous ne manquerez de rien, où votre partenaire va vous aider à pourvoir à tous vos besoins, hein. Vous n'allez manquer absolument de rien ici.
Donc, vous allez même peut-être pouvoir profiter abondamment de la vie, hein. Alors, on va vous offrir de la beauté, probablement un certain luxe ici, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être très, très, très riche, mais oui, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous. Mais tout simplement que vous allez être entouré de beauté, de confort également matériel. Vous avez aussi la carte foyer. Alors, la carte foyer, hein, c'est une belle carte qui est en train de nous dire que oui, il y a une belle possibilité de former une famille, un foyer. Pas nécessairement des enfants, hein, parce qu'une famille, souvent, ça implique des enfants, mais en tout cas, un foyer. Vous savez, le sentiment qu'on ressent quand on entre dans les bras de l'autre et on se sent chez soi, bien c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici avec ce tirage, d'accord? Donc vous allez vous sentir à votre place dans les bras de la bonne personne, d'accord? Alors, c'est un très, très beau tirage pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein. Malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne ceux que ça concerne. Et ensuite, avec la carte pardonner et apprendre, hein, le fait de lâcher prise sur le passé et de continuer d'apprendre, de grandir, de comprendre certaines choses, bien là, c'est à vous. Il n'en tient qu'à vous, en fait, de faire en sorte, hein, d'ouvrir votre cœur pour laisser entrer cette personne dans votre vie. Et c'est vous absolument qui détenez la clé de votre destin, hein, la clé de votre destin ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu aujourd'hui, ce que vous faites avec la personne qui s'en vient ou qui est déjà là dans votre vie actuellement pour vous combler d'amour et à tous les niveaux également. Alors voilà, mes chers célibataires, c'était votre tirage aussi pour vous. Donc j'espère que ces tirages vous ont plu ou vous parlent d'une façon ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, qui me découvre pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et finalement, je vous rappelle que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, pour les personnes qui sentent le besoin d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Réchauffez-vous, prenez soin de vous, hein, c'est l'automne, il fait un peu plus frais. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.